pas être là pour vivre le moment présent, pour entrer en contact profond avec les merveilles de la vie qui sont disponibles dans le moment présent. Alors, on doit se libérer du passé. Il y a ceux ou celles d'entre nous qui sont emprisonnés par le futur. On a des peurs, des soucis en ce qui concerne le futur, et le futur devient une sorte de prison pour nous. Ça nous tracasse. On n'a pas de la paix, on n'a pas de la liberté pour être vraiment là afin de pouvoir toucher en profondeur les merveilles de la vie qui sont disponibles. Alors, le Dharma, c'est aussi l'art de se libérer du passé, du futur, afin de pouvoir être libre dans le moment présent. Le Bouddha a dit que le passé n'est plus là. Et le futur n'est pas encore là. Il y a un seul moment quand on peut vivre vraiment en profondeur, c'est le moment présent. Mais il y a entre nous, parmi nous, ceux ou celles qui n'ont pas cette capacité de s'établir dans le moment présent. Nous sommes possédés par le passé ou par le futur. Alors le Dharma, c'est l'art de revenir au moment présent afin de pouvoir vivre sa vie vraiment en profondeur. Quand on respire, la respiration est un art aussi. On peut respirer en telle sorte que la paix, l'harmonie dans le corps, dans l'esprit, peut devenir une chose possible. Le Bouddha nous a enseigné la respiration consciente. Il a proposé des exercices de respiration consciente pour nous aider à gérer les difficultés que nous avons dans notre corps, dans nos perceptions, dans nos émotions, dans nos sensations. Alors respirer, c'est un art. Et on va apprendre ensemble cet art de respirer. Pendant qu'on fait la marche méditative, on peut combiner le souffle avec les pas. Quand vous faites une inspiration, vous pouvez faire un pas ou deux. J'inspire, j'expire. Un pas pour l'inspiration, un autre pas pour l'expiration. Et quand vous faites un pas pendant l'inspiration, vous pouvez dire que je suis déjà chez moi. Et quand vous faites un autre pas avec l'expiration, vous pouvez dire « Je suis déjà arrivé, je suis chez moi, je suis arrivé. » Je suis chez moi. Veut dire que vous êtes installé, bien installé dans le moment présent. Le moment présent, c'est votre demeure, votre chez-moi. C'est parce que le Bouddha a dit que le passé n'est plus là. Le futur n'est pas encore là. Vous avez un rendez-vous avec la vie dans le moment présent.
Et seulement dans le moment présent que vous puissiez être vraiment vivante. Présente. Donc votre chez vous, votre chez moi, c'est le moment présent. Je suis chez moi, c'est-à-dire je ne suis plus tracassé par le futur. Je ne suis plus emprisonné par le passé. Je suis libre. Je suis chez moi. Chez moi, c'est la vie. Avec toutes ses merveilles. Je me sens bien chez moi. Je me sens bien dans l'ici et maintenant. C'est parce que dans l'ici et le maintenant, j'ai la capacité, j'ai l'occasion de entrer en contact avec la vie et avec les merveilles de la vie qui sont disponibles. Chez moi, c'est cela. J'ai couru toute ma vie. J'ai cru que le bonheur est impossible dans le moment présent. C'est pourquoi j'ai sacrifié le moment présent pour le futur. Je pense que peut-être dans le futur, il y aura du bonheur. J'ai besoin de quelques conditions encore pour pouvoir être heureux. Alors on sacrifie le moment présent pour le futur et on court comme ça toute sa vie. Et peut-être cette énergie d'habitude a été transférée, transmise à nous par nos ancêtres. L'habitude de courir, toujours courir, même dans le sommeil, chercher quelque chose dans le futur. Mais le Bouddha a dit ceci, c'est possible de vivre heureusement dans le moment présent. Si vous ramenez votre esprit vers votre corps, si vous êtes établi vraiment dans le moment présent, vous pouvez reconnaître qu'il y a des conditions de bonheur qui sont disponibles dans le moment présent. On peut être heureux ici et maintenant. C'est parce que les conditions du bonheur sont déjà là. On n'a pas à les rechercher dans le futur. Les Français ont une chanson intitulée « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Donc, ramener l'esprit vers le corps, être vraiment établi dans le moment présent, on peut reconnaître les conditions de bonheur qui sont déjà disponibles en nous et autour de nous. Et c'est le chez-soi. Le chez-soi, c'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur, c'est ici et maintenant. Donc je suis déjà chez moi, je n'ai pas à courir. Et la méditation bouddhique commence toujours par l'arrêt, l'arrêt. Ce signe s'appelle l'arrêt. Stop. Et avec un pas fait dans la pleine conscience, avec une inspiration, on peut s'arrêter. Mais si nous avons déjà une tendance, une habitude à courir, alors l'arrêt peut être un peu difficile. Il faut s'entraîner pour pouvoir s'arrêter. On court toujours, on a couru, toujours couru, même dans ces rêves. Donc, comme ça, on doit apprendre à s'arrêter.
avec la marche méditative, avec l'assise dans la pleine conscience, avec la respiration consciente. On apprend à s'arrêter. La méditation bouddhique commence par l'arrêt. Et continue avec le regard profond. Quand on se trouve dans la situation de l'arrêt, on peut se concentrer. On est là, on est vraiment là, on ne court plus. On est vraiment là, que corps et esprit unis. Dans cet état-là, on peut pratiquer le regard profond dirigé vers ce qui est là, dans le moment présent. Si vous êtes vraiment là, si vous êtes vraiment concentré, alors vous avez cette capacité de regarder en profondeur et découvrir ce qui est là, la nature de tout ce qui est. Et l'arrêt et le regard profond va aboutir à la sagesse, à la compréhension. Les enfants, quand ils font de la mathématique, ils doivent pratiquer aussi l'arrêt et le regard profond. Il faut éteindre la télé, l'arrêt. Si on ne peut pas pratiquer l'arrêt, on ne peut pas commencer le regard profond. L'enfant doit éteindre la télé pour pouvoir se fixer sur l'exercice de mathématiques. Alors, le regard profond. On a besoin de l'arrêt, de la concentration pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir regarder en profondeur. L'arrêt, c'est samatha. Le mot sanskrit pour l'arrêt, concentration. Et le regard profond, c'est vipassana. L'arrêt, c'est un art. Et le regard profond, c'est aussi un art. Par exemple, quand on regarde une fleur, on doit être là pour pouvoir vraiment regarder. On doit être là. Si on est possédé par la colère, par le passé, par le futur, on n'est pas là. Donc le regard profond, c'est impossible. Donc l'arrêt est indispensable. Avec l'arrêt, on commence à être concentré. Et c'est avec cette concentration que l'on puisse regarder en profondeur la chose qui est en face. La chose qui est en face peut être une fleur, un nuage, ou bien notre colère, notre désespoir. Et avec cette concentration, on va pouvoir faire une percée dans la réalité. On va pouvoir comprendre la nature de cette fleur, de ces nuages, cette dépression, cette colère, ce désespoir.
La pleine conscience. C'est une énergie que nous pouvons générer. La pleine conscience est l'énergie qui nous permet d'être là. Dans la vie quotidienne, son corps peut être là, mais son esprit peut être ailleurs. Et quand l'esprit et le corps sont séparés, on n'est pas vraiment là. Alors avec une inspiration dans la pleine conscience, ou avec un pas fait dans la pleine conscience, on ramène l'esprit vers le corps. Et quand l'esprit est réuni avec le corps, on s'établit dans le moment présent. Et comme on est vraiment présente, on est vraiment vivante. Et on est dans la position d'entrer en contact avec la vie et ses merveilles. Et c'est l'énergie appelée pleine conscience qui nous permet de faire cela. Ramener l'esprit vers le corps, s'installer dans le moment présent et toucher les merveilles de la vie en profondeur, c'est la pleine conscience. Et tout le monde a cette capacité avec un peu de pratique. Quand je bois du thé, quand je prends du thé, je peux le prendre dans la pleine conscience. Je peux me libérer du passé, je peux me libérer du futur. Je me suis installé dans le moment présent. Je suis vraiment là, corps et esprit ensemble. Et c'est le travail de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est la capacité d'être au courant de ce qui se passe dans le moment présent. Ce qui se passe dans le moment présent, c'est que j'ai une tasse de thé et je suis sur le point de prendre mon thé. Et je peux boire mon thé dans la pleine conscience. Je suis vraiment là. Et le thé aussi. Le thé est vraiment là pour moi. Et en ce moment, il y a de la vie véritable. Nous sommes réels. Moi et le thé. Je ne suis pas perdu dans le passé, dans le futur, dans mes projets, dans ma colère, dans ma dispersion. Je suis vraiment là dans la pleine conscience. On appelle cela boire le thé dans la pleine conscience. Quand vous faites une inspiration, et si vous savez que vous êtes en train de faire une inspiration, j'inspire, je sais que c'est une inspiration, c'est la respiration consciente que vous faites. Dans la vie quotidienne, on respire toujours, mais on ne sait pas qu'on respire. Dans la pratique, quand j'inspire, je sais qu'une inspiration est en train de se dérouler. Donc, on peut boire le thé dans la pleine conscience. On peut respirer dans la pleine conscience. On peut marcher dans la pleine conscience. La pleine conscience, ça veut dire votre présence véritable dans le moment présent. Et chacun de nous, chacune de nous, a cette capacité de boire son thé dans la pleine conscience. De pouvoir marcher, faire un pas dans la pleine conscience. Il suffit de pratiquer pendant quelques jours pour renforcer cette énergie de pleine conscience qui est déjà en nous. Pour celles ou ceux qui ont pratiqué pendant des mois et des années, cette graine de pleine conscience est devenue robuste. Et chaque fois qu'on a besoin d'elle, on la touche et on aura
de l'énergie de la pleine conscience en abondance. Mais pour celle qui n'a pas beaucoup pratiqué, la graine de pleine conscience est un peu plus faible. Alors, avec l'entraînement, après 3, 4, 5 jours d'entraînement, cette graine de pleine conscience va devenir beaucoup plus forte. On a besoin de la pleine conscience pour pouvoir être là, totalement présente, totalement vivante. Donc la marche dans la pleine conscience, la respiration dans la pleine conscience, nous aide à être vraiment là pour la vie. Et avec cette pleine conscience, on peut commencer à vivre profondément chaque moment de sa vie quotidienne. C'est la pleine conscience. Tout le monde en a. La pleine conscience est porteuse de la concentration. Si vous maintenez cette pleine conscience sur son objet, la pleine conscience est toujours pleine conscience de quelque chose. Supposons que vous êtes conscient de la présence de la fleur. Alors, la fleur est l'objet de votre pleine conscience. Quand vous faites une inspiration avec pleine conscience, alors l'inspiration est l'objet de votre pleine conscience. Quand vous faites un pas comme ça dans la pleine conscience, le pas que vous faites est l'objet de la pleine conscience. Donc, pleine conscience est toujours pleine conscience de quelque chose. Si vous avez la colère, par exemple, et si vous êtes au courant que la colère commence à se former en vous, alors la colère devient l'objet de la pleine conscience. J'inspire, je sais que la colère commence à monter en moi. J'expire, je vais gérer cette énergie de colère. C'est la pratique de la pleine conscience, dirigée vers son objet, la colère. Donc, quand on préserve sa pleine conscience, la concentration est née de cette pleine conscience. Quand vous êtes vraiment intéressé à quelque chose, et si vous maintenez cette pleine conscience sur ce sujet, alors vous êtes concentré sur ce sujet-là. Et avec une forte concentration, vous allez pouvoir faire une percée. Vous allez découvrir la nature de ce qui est là. La nature de la fleur ou bien la nature de votre colère. Pleine conscience, concentration et concentration vont aboutir à la vision profonde, la compréhension. Et cette vision profonde, cette compréhension, vous mène à la compassion, à l'amour. La compréhension mène toujours à la compassion. Et une vie spirituelle, c'est une vie ornée par la compréhension et la compassion. Et avec une vie spirituelle, avec de la compréhension et de la compassion, on ne souffre plus. On souffre beaucoup plus moins, beaucoup moins.
La pleine conscience s'écrit en chinois comme ça, Smriti, en sanskrit. Concentration s'écrit comme ça, c'est Samadhi. Et vision profonde s'écrit comme ça, Tuệ. Prajna. Ce sont les trois sortes d'énergie qu'on peut cultiver. Et c'est le noyau de l'enseignement du Bouddha. La méditation, c'est pour générer ces trois sortes d'énergie, la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. Et cette civilisation, la nôtre, va dans la direction opposée. On est trop occupé, on court toujours. On n'a pas le temps de vivre sa vie, chaque moment de sa vie. On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas se libérer. Donc, la pratique de base, c'est de s'arrêter, c'est de s'installer dans le moment présent, c'est de se libérer pour pouvoir entrer en contact avec les merveilles de la vie qui sont vraiment là. Vous savez bien que les merveilles de la vie sont là. Mais il y a quelque chose qui vous empêche de toucher ces merveilles de la vie. Alors, il faut se libérer. Et comment se libérer? Se libérer avec l'énergie de la pleine conscience, de la concentration. Il ne se passe pas un jour quand je ne me promène dans le royaume de Dieu. C'est très nourrissante. Très guérissante. Chacun de nous peut faire cela. Se promener chaque jour dans le royaume de Dieu avec quelques libertés. Nous avons besoin de quelques libertés afin de pouvoir nous réjouir du royaume de Dieu. Cette liberté, je vous ai dit, ce n'est pas la liberté politique, mais la liberté en ce qui concerne nos afflictions, nos soucis. Alors apprenons à marcher ensemble, à respirer ensemble, à manger ensemble, à faire la vaisselle ensemble. On lave sa vaisselle en telle sorte que le royaume de Dieu soit possible dans le moment présent. On va se brosser les dents en telle sorte qu'on reste toujours dans le royaume de Dieu. Vous avez 2 minutes, 3 minutes pour vous brosser les dents. Mais se brosser les dents, c'est un art. On se brosse les dents en telle sorte que le royaume de Dieu continue à exister pour nous. Vous faites une inspiration et en faisant cela, vous faites aussi un pas et vous vous dites, je suis déjà chez moi, je ne cours plus.
Portez votre attention sur la plante de votre pied et touchez la terre en profondeur avec cette pleine conscience, comme si vous embrassez la terre avec votre pied. Je suis chez moi. Je suis déjà arrivé. Et c'est un défi. C'est parce que je suis arrivé, je suis chez moi, c'est pas une déclaration verbale, c'est une pratique, c'est une réalisation. Et quand vous vous dites « je suis arrivé », vous devez vraiment arriver. Arriver où ? Arriver à l'ici et le maintenant. Il faut une concentration assez forte pour pouvoir vraiment arriver. Ce n'est pas une déclaration verbale. C'est une réalisation, c'est un défi. On doit vraiment arriver à chaque pas. Et si vous êtes vraiment arrivé à 100%, vous le savez. Le saut. De l'arrivée. Si vous n'avez pas vraiment arrivé à 100%, restez là. Ne faites pas un autre pas. Jusqu'à ce que vous êtes capable d'arriver à 100%. Vous avez le temps. Nous sommes là pour ça. Je suis chez moi. Est-ce que vous êtes vraiment chez vous? Sinon, il ne faut pas faire un autre pas. Attendez jusqu'à ce que vous avez arrivé complètement à l'ici maintenant. Et après cela, vous pouvez sourire. Vous avez de la victoire. Et puis vous faites un autre pas. Je suis chez moi. Je suis arrivé. Il faut investir 100% son corps et son esprit pour pouvoir arriver comme ça, pas moins. C'est-à-dire, il faut assez de pleine conscience, assez de concentration pour pouvoir arriver comme ça. Je suis chez moi. Voici, vous arrivez. Vous n'avez pas besoin d'un autre pour vous le dire. Vous savez si vous êtes vraiment arrivé ou non. Donc prenez le temps pour faire la méditation marcher lente, la marche lente. Et vous faites la marche lente quand vous êtes seul. C'est parce que vous pouvez mettre le temps, aussi le temps dont vous avez besoin pour pouvoir arriver, pour pouvoir vous sentir vraiment chez vous. Le chez vous, ce n'est pas votre ville, votre cité, non. Votre chez vous, c'est la vie, c'est l'ici et maintenant, la vie. Et toutes ces merveilles-là. C'est votre chez-vous. Partout où vous allez, votre chez-vous doit être là. Et quand vous marchez avec la communauté, il faut marcher normalement, c'est-à-dire pas trop lente. Alors vous pouvez faire deux ou trois pas avec votre inspiration. Je suis arrivé, chez moi, normalement.
Je suis chez moi, je suis arrivé, je suis bien installé dans l'ici et le maintenant. Je me sens solide, je me sens libre dans le royaume de Dieu, dans la terre pure du Bouddha, je m'établis. Est-ce qu'on va chanter cette chanson? Je suis chez moi, je suis arrivé. Pourquoi pas? Je suis chez moi, je suis arrivé. Donc, je suis chez moi, je suis arrivé, il n'y a qu'ici et le maintenant. Ici et maintenant, c'est l'adresse du royaume de Dieu. C'est l'adresse de la vie. Vous avez un rendez-vous avec la vie, n'est-ce pas? Et vous devez connaître l'adresse, ici et maintenant. Donc la pratique consiste à toujours revenir à l'ici et maintenant. Chaque chose que vous faites, une inspiration, un pas, doit vous aider à revenir à l'ici et maintenant. C'est votre chez-vous. Bien solide, vraiment libre. Il y a la solidité et la liberté. Chaque pas doit générer de la solidité et la liberté, qui sont la base du bonheur véritable. Sans liberté, il n'y a pas de bonheur. Sans solidité, il n'y a pas de bonheur. Vous êtes solide, c'est pas une... Quand je dis je suis solide, ce n'est pas une autosuggestion. La solidité ici, ça veut dire que vous êtes bien installé dans le moment présent. Vous n'êtes pas... pousser, tirer vers le passé ou le futur. Vous êtes vraiment établi dans le moment présent. Ça, c'est la solidité. Vous êtes bien installé dans le moment présent. Et c'est pourquoi le bonheur, c'est possible. Dans le moment présent, vous pouvez entrer en contact avec les merveilles de la vie qui vous nourrissent, qui vous guérissent. La liberté, c'est-à-dire la liberté en ce qui concerne le passé, le futur et vos soucis. Donc, chaque pas, vous êtes à cultiver plus de solidité, plus de liberté. Et le bonheur est quelque chose qui est né de cette solidité et cette liberté. Donc vous marchez comme une personne libre et solide. Cultiver la solidité, cultiver la liberté, c'est le but de la pratique. La pratique de la marche méditative, de l'assise méditative,
Et chaque fois que le royaume n'est plus là, la terre pure du Bouddha n'est plus là, on doit revenir, y revenir par la voie de la respiration consciente ou la marche de la pleine conscience. On doit toujours revenir au royaume de Dieu. Le contraire de la pleine conscience, c'est l'oubli, la distraction. La pleine conscience nous permet de revenir au moment présent, à nous installer dans le moment présent pour être vraiment là, pour pouvoir prendre soin de son corps, de ses sensations, de ses émotions. Vous savez comment gérer votre souffrance, vos difficultés. Alors, il faut apporter à votre vie quotidienne une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, c'est l'existence de l'énergie spirituelle en vous, la pleine conscience, la concentration et la compréhension, qui mène directement à la compassion, à l'amour. Avec cela, vous pouvez gérer les difficultés qui se présentent à vous dans la vie quotidienne. Vous avez un chemin, une voie spirituelle. Et c'est le Dharma. Le Dharma est quelque chose de vivant en vous. Et avec la pratique, le Dharma devient de plus en plus robuste, solide. Ça, le Dharma vous protège. Le Dharma vous indique le chemin. Il y a des gens qui ne savent pas où aller. Ils sont dans les ténèbres. Alors, vous avez une vie spirituelle, vous avez le Dharma, vous avez déjà un chemin. Avec le chemin spirituel, vous n'avez plus peur. Donc, le Dharma, c'est votre chemin spirituel. Il y a les cinq entraînements à la pleine conscience qui sont présentés en termes concrets en ce qui concerne la pratique de la pleine conscience. Alors si vous vivez selon les cinq entraînements à la pleine conscience, vous avez un chemin. Vous avez le Dharma vivant en vous. Et comme vous avez le Dharma vivant en vous, vous n'avez plus peur. C'est parce que vous savez exactement où vous allez. Avec un chemin spirituel, on n'a plus peur. Le Dharma est aussi un appui. Un refuge. Quand vous montez l'escalier, peut-être vous avez besoin de la rampe, de la main courante, afin de ne pas trébucher, tomber. Alors nous tous, nous avons besoin d'un appui, d'un refuge pour pouvoir nous aider dans les moments difficiles. Le Dharma, c'est un refuge. Le Dharma, c'est un appui.
Et le Dharma se fait avec de l'énergie. L'énergie de la pleine conscience, l'énergie de la concentration, l'énergie de la vision profonde. Quand vous êtes de retour à vous-même, au moment présent, vous pouvez être en contact avec les merveilles de la vie qui vous nourrissent, qui vous guérissent, mais vous pouvez aussi entrer en contact avec la souffrance, la peine, la douleur en vous. Il y a de la souffrance, de la peine, des difficultés en vous. Et vous devez être là pour pouvoir gérer ces difficultés, ces souffrances. Dans la vie quotidienne, il y a beaucoup parmi nous qui ont peur de rentrer chez eux. C'est parce que on a l'impression que si on est de retour chez soi, on doit confronter la douleur. La peur. Le désespoir qui sont là. Alors on ne veut pas faire cela, c'est pas une chose agréable à faire. Revenir chez soi pour confronter la douleur, le désespoir, la souffrance en soi, c'est pas une chose agréable. La pratique de la majorité, c'est l'échappement. On veut échapper de sa souffrance par la porte de la consommation. On veut consommer quelque chose pour pouvoir oublier sa souffrance. Dans le marché, il y a beaucoup de choses qui nous aident à oublier la souffrance en soi. L'automobile, la voiture, le téléphone, les livres, les films, la musique, ce sont des choses qui nous aident à échapper à notre souffrance. Mais le Bouddha nous a dit qu'il ne faut pas avoir peur de la souffrance. On peut très bien apprendre de la souffrance. C'est la souffrance qui nous montre la voie de la libération. La souffrance, le mal-être, est considéré comme la première vérité noble dans le bouddhisme. Le mal-être. La première vérité noble dans le bouddhisme. Et l'enseignement du Bouddha consiste à embrasser la souffrance, regarder en profondeur dans la nature de votre souffrance, découvrir la nature de cette souffrance.
C'est parce que la souffrance peut nous enseigner, beaucoup nous enseigner. Le royaume de Dieu, la terre pure de Bouddha, ce n'est pas un endroit où il n'y a pas de souffrance. Là où il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de compréhension et d'amour. Comprendre le mal-être, voir la nature du mal-être. Va vous procurer de la compréhension. Et la compréhension mène directement à la compassion. On peut dire avec certitude que le royaume de Dieu, c'est un endroit où il y a beaucoup de compréhension et de compassion. Mais pour pouvoir générer de la compassion, de la compréhension, il faut de la souffrance. C'est la souffrance qui nous aide à cultiver la compréhension. La compréhension est tout d'abord la compréhension de la souffrance. Et quand on comprend, on peut accepter, on peut pardonner, on peut aimer. Au village Prunier, il y a des mares de lotus. Et vous savez très bien que s'il n'y a pas de boue, il n'y a pas de lotus. Sans la boue, pas de lotus. Donc la souffrance est quelque chose comme la boue. Et la compréhension et l'amour, c'est quelque chose comme les lotus. On ne peut pas planter les lotus sur du marbre. On doit avoir besoin de la boue pour pouvoir cultiver les lotus, les fleurs de lotus. La même chose est vraie avec la compréhension et la compassion. C'est à cause de la souffrance. Si on apprend à regarder en profondeur dans la nature de souffrance, on peut générer la compréhension, la compassion. Donc là où il n'y a pas de la boue, il n'y aura pas de lotus. Là où il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de compréhension et d'amour. Donc de penser que le royaume de Dieu, la terre du Bouddha, c'est un endroit qui n'a pas de souffrance, c'est une idée dangereuse, naïve. On a besoin de la souffrance. Chacun de nous a besoin d'une dose suffisante de souffrance pour pouvoir comprendre et pour pouvoir aimer. La souffrance est nécessaire pour la compréhension et l'amour. C'est la nature, c'est l'enseignement de l'inter-être dans le bouddhisme. Donc, si on essaie toujours d'échapper à la souffrance, on n'a pas de chance. Alors, il faut s'arrêter, il faut apprendre à tenir sa souffrance dans ses bras. On peut commencer à regarder dans la souffrance, dans la nature de la souffrance. Et à cause de cela, on va avoir de la compréhension. Cette compréhension et cette compassion va vous montrer du chemin. C'est-à-dire la quatrième vérité, la voie de la transformation de la souffrance, du mal-être. Donc, sans la première vérité, sans la deuxième vérité, il n'y a pas de quatrième vérité. Entrer en contact profond avec le mal-être, comprendre la nature du mal-être, va vous procurer cette vision profonde en ce qui concerne la voie qui aide à la transformation et la guérison. Et la troisième
vérité noble, c'est le contraire du mal-être, c'est le bien-être. C'est la cessation du mal-être. Cessation du mal-être. C'est-à-dire commencement du bien-être. Et les quatre vérités nobles, c'est la base de l'enseignement du Bouddha. La pratique quotidienne de la respiration consciente, de la marche dans la pleine conscience, vous aide à générer cette énergie de la pleine conscience. Et avec cette énergie de la pleine conscience, vous n'aurez plus peur de la souffrance. Avec cette énergie, vous allez pouvoir gérer votre souffrance. Notre esprit, notre conscience consiste au moins de deux couches. Le tréfonds. Et le mental. Il y a des graines de souffrance au fond de notre conscience, le tréfonds. Il y a la peur, le désespoir, la violence, des choses comme ça. Mais il y a aussi des graines positives comme la compréhension, l'amour, la compassion, la pleine conscience, la concentration. Il y a des graines comme ça. Dans ma tradition du bouddhisme, on énumère 51 variétés de graines qui s'appellent bija, semences. Bija, semences. Et chaque fois qu'une semence dans le tréfonds est arrosée, est touchée, elle se manifeste au niveau du mental. Par exemple, votre colère. Si vous y pensez, si vous entendez, vous entendez quelque chose, si vous êtes en contact avec quelque chose, alors ça peut toucher, ça peut arroser la graine de la colère en vous, en forme de semence. Et ici, ça se transforme en formation mentale. Formation mentale. Ici, c'est une graine. Ici, c'est une formation mentale. Appelée colère. Citta samskara. C'est déjà graine. C'est bon.
pour une personne qui ne sait pas, qui ne connaît pas la pratique. Cette énergie de la colère habite le mental et peut faire des ravages, de la destruction. Ce n'est pas agréable d'avoir cette énergie se manifester au niveau du mental. Ça nous pousse à faire des choses, à dire des choses qui vont tout casser, qui vont tout détruire. C'est dangereux. Mais pour un pratiquant, chaque fois que la colère commence à monter, le pratiquant sait qu'il doit faire quelque chose. Et ce quelque chose-là peut être une inspiration consciente. J'inspire, je sais que la colère est en train de monter en moi. Alors, le pratiquant touche cette graine de pleine conscience et l'invite à se manifester. Pour pouvoir prendre soin de l'autre énergie. L'énergie de la colère, l'énergie de la pleine conscience. Il y a deux énergies en même temps. Et l'énergie de la pleine conscience, c'est pour reconnaître l'autre énergie. On appelle cela pleine conscience de la colère. J'inspire, je sais, la colère est en moi. J'expire, je vais essayer de gérer, de prendre soin de cette colère. Et la pleine conscience, c'est l'énergie du Bouddha en vous. Et le Bouddha sait comment gérer une colère. Pour les débutants, la graine de la pleine conscience est encore fragile. Et peut-être le pratiquant n'a pas assez de pleine conscience pour pouvoir embrasser la douleur, le mal-être. C'est trop fort pour elle, trop fort pour lui. Donc, dans ce cas-là, le pratiquant a besoin de l'aide des co-pratiquants, des sœurs ou des frères dans le dharma qui sont plus solides en termes de concentration et de concentration. Alors on a besoin d'une sangha. Une sangha, c'est-à-dire une communauté de pratique dans laquelle existent des frères et des sœurs qui sont forts dans la pratique. Ils ont pratiqué pendant des années et des années leur pleine conscience, la concentration sont beaucoup plus solides. Alors, le débutant peut dire à ses frères et ses sœurs, voilà ma souffrance, voici ma souffrance. Aidez-moi à reconnaître et embrasser cette souffrance. Donc, dans la communauté de pratique, il y a des membres de la communauté qui sont assez forts en ce qui concerne la concentration et la pleine conscience. Alors il faut profiter, il faut se servir de cette énergie collective de la Sangha pour pouvoir embrasser, bercer sa douleur, sa souffrance. Mes frères, mes sœurs, voilà ma souffrance. Elle est énorme. Seul, je ne peux pas la bercer. Alors, aidez-moi à bercer, à embrasser cette souffrance. Le mal-être en vous, la souffrance en vous. Aidez à bercer cette souffrance en vous. Donc, cette énergie de la pleine conscience a pour but de reconnaître la présence de la souffrance, de l'embrasser, de la bercer. Et ça va apporter un soulagement.
un soulagement. Supposons que ceci est mon mal-être, ma souffrance. Elle se manifeste au niveau de mon mental. Et comme je suis pratiquant, je sais qu'est-ce que je dois faire. Je touche l'énergie de la pleine, la graine de la pleine conscience. J'invite la pleine conscience à se manifester pour pouvoir reconnaître et bercer, embrasser avec beaucoup de tendresse cette souffrance en moi qui est la colère, le désespoir. C'est comme une maman qui prend son bébé dans ses deux bras avec beaucoup de tendresse. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de suppression. Il y a seulement l'amour. Votre énergie de pleine conscience, c'est comme une maman qui est courant du fait que son bébé souffre, qui se met aux besoins de son enfant. Alors elle prie. Elle prend son bébé dans ses deux bras avec beaucoup de tendresse. Avec cette pleine conscience, vous allez pouvoir bercer votre douleur, bercer votre mal-être, et vous allez obtenir un soulagement. Avec peut-être le soutien de la Sangha. Donc, vivre avec une sangha, c'est très bien. Il y a des frères et des sœurs qui peuvent vous aider à reconnaître et à embrasser votre mal-être, votre douleur. Été embrassé par l'énergie de la pleine conscience, après avoir pris un bain de pleine conscience, cette formation mentale va revenir au tréfonds, un petit peu plus faible. Le bain de la pleine conscience, après avoir été embrassé par la pleine conscience. Et la prochaine fois, quand elle se manifeste, le pratiquant va faire exactement la même chose. Reconnaître, bercer, embrasser, soulager. C'est avec la pleine conscience et la concentration que l'on peut faire cela. Et si la pleine conscience et la concentration sont assez vigoureuses, alors on peut pratiquer le regard profond dirigé vers la nature du mal-être. Pourquoi ce mal-être? Pourquoi cela a été installé en moi? Pourquoi ce désespoir? Pourquoi cette dépression? Pourquoi cette peur? Pourquoi cette colère? C'est Vipassana, le regard profond dirigé vers votre propre mal-être. Le Bouddha nous suggère de regarder dans la nature de notre mal-être en termes de nourriture. Il a dit ceci, rien ne peut survivre sans nourriture. Votre amour aussi. Si vous ne savez pas comment alimenter, nourrir votre amour, elle va mourir un jour. Même si elle est très belle, votre amour, très précieuse. Il faut savoir comment alimenter, nourrir votre amour. Votre colère, votre dépression aussi, elle a besoin de la nourriture pour subsister. Et vous avez nourri, vous avez alimenté votre colère. Vous avez déjà, pendant des mois, des années, alimenté votre dépression. Vous avez vécu en telle sorte
que cette dépression puisse s'installer en vous. Alors le Bouddha nous propose de regarder dans la nature de notre mal-être en termes de nourriture. Vous avez vu, vous avez écouté, vous avez consommé en telle sorte que cette dépression, que ce désespoir est devenu une réalité en vous. Alors une fois cette nature de mal-être est comprise, votre amour ou votre désespoir. Alors changer, après avoir acquéri cette compréhension qui vous indique la voie qui mène à la transformation du mal-être, vous avez changé votre manière de vivre, de consommer, et votre mal-être va mourir, faute de nourriture. Je pense que l'enseignement du Bouddha est très clair et assez simple pour que tout le monde puisse comprendre. Ce n'est pas de la philosophie, c'est un art de vivre, un art pour la transformation, pour la guérison. Donc, on n'a pas à avoir peur du mal-être. On doit apprendre à gérer le mal-être. Il faut être là pour votre souffrance. Et il faut prendre soin de votre souffrance. C'est possible d'apprendre à gérer notre souffrance avec l'énergie dans la pleine conscience, la concentration que vous générez en vous, avec l'énergie collective de la Sangha, on va pouvoir embrasser, reconnaître, apporter un soulagement et enfin comprendre la nature de notre mal-être. Notre temps ensemble dans la retraite est absolument précieuse. Il faut nous en servir avec beaucoup de sagesse. Le silence noble, c'est très important. On doit avoir le temps pour pouvoir se réjouir de sa respiration. La respiration consciente, c'est quelque chose dont on peut se réjouir. J'inspire, je me calme, j'expire, je souris. La marche méditative aussi, c'est quelque chose de très agréable. Chaque pas a le pouvoir de guérir, de nourrir. Ne cherchez pas des éléments de votre guérison hors de vous-même. Vous avez en vous des éléments pour votre propre guérison. Le docteur, le thérapeute ne peut pas vous procurer de ces éléments. Vous avez des éléments pour votre guérison, pour votre transformation en vous. Quand vous faites une inspiration,
Et si vous portez votre attention vers cette inspiration, et si vous pouvez sentir la joie, le calme, l'arrêt dans votre inspiration, alors l'inspiration devient un facteur de guérison. La respiration consciente va apporter à votre corps, à votre esprit, de l'harmonie, de la détente. Respirez cette mer. Le Bouddha a suggéré des exercices pour la respiration consciente. J'inspire. Je suis conscient de mon corps. J'expire. Je me détends. Il y a du stress, de la tension dans votre corps. Et vous pouvez, avec la pleine conscience, laisser aller. Cette tension dans votre corps. J'inspire, je suis conscient de mon corps avec les tensions dans mon corps. J'expire, je laisse aller cette tension. Quand vous faites un pas dans la pleine conscience, ce pas-là peut être pris dans la liberté, dans la solidité. Ça peut vous aider à entrer en contact avec la nature, le ciel bleu, la végétation verte. Et ce pas-là est aussi un élément de guérison, de la guérison. Quand vous produisez une pensée juste, une pensée de compassion, une pensée de pardon, une pensée de compréhension, cette pensée juste qui va dans la direction de la compassion, de la compréhension, cette pensée a une valeur thérapeutique. Et cette pensée va avoir un effet favorable à votre santé physique et morale. Cette pensée de compassion, de compréhension va avoir un effet thérapeutique pour le monde aussi. Alors vous avez plein d'éléments de guérison en vous. Il faut revenir en vous pour pouvoir reconnaître ces éléments de guérison qui sont disponibles. Alors, chaque fois que vous brossez les dents, chaque fois que vous prenez le thé, que vous marchez, que vous vous étendez sur votre lit, alors utilisez ces éléments-là pour votre guérison. Et nous faisons cela tout ensemble, comme une sangha. Chaque moment de cette retraite est précieux. Il faut en profiter. Vous avez 5 minutes. Ces 5 minutes peuvent être utilisées pour la marche méditative. Chaque pas peut apporter le bonheur, la guérison. Vous êtes assis sur l'herbe. Vous pouvez vous réjouir de votre inspiration, de votre expiration. Vous pouvez entrer en contact avec le ciel bleu, les nuages, les arbres, les oiseaux, les fleurs. Alors ça vous procure des éléments de guérison et de transformation aussi. Et autour de nous, il y a des frères et des sœurs qui savent comment faire cela. Il y a des pratiquants qui ont la capacité de marcher dans le royaume de Dieu, dans la terre pure du Bouddha.
qui peut rayonner de la pleine conscience, du bonheur et de la paix. Et vous pouvez faire exactement comme eux. C'est parce que dans votre conscience de tréfonds, il y a la graine de la joie. Il y a de la graine de la compassion. Il y a de la graine de la guérison. Il faut entrer en contact avec ces graines-là et aider ces graines-là à se développer. Bonne retraite à tous et à toutes.